mais ils ont bien raison. Ouais. Moi je me démène pour vous et c'est comme ça qu'on me remercie. Je suis à tort, toi. Putain. Je rigole, Pedios. Non ! Je rigole pas, moi. Bref. Personne rigole. Pourquoi ? Je fais de mon mieux, moi. Ouais, ouais ! Ouais, calmez-vous, là. Toc, calmez-vous. Mais c'est juste. Là, ici. Notre Itio s'est un petit peu énervé parce que les matchs n'ont pas été lancés et que les gens ne sont pas assez. Oh là là, mais le freeplay aussi. Oh là là, mais arrêtez de faire du freeplay. Bref. Ils sont horribles ces gens. Hein. On va se concentrer, voilà, tranquille. On est là, tranquille. Bon, parce qu'il y en a qui a décidé de faire une run full Mars en fait. Hein. On a Gigamito, hein. C'est pas du tout Zelda. Ah, on a Gigamito. Ah ouais, j'avoue, putain, on a dit Zelda, mais en fait. J'avais oublié, mais il m'avait dit tout à l'heure qu'il fait une run full Mars. Très bien. Peut-être qu'il veut prouver à Lyon qu'on est free, même sur des saisons de Mars. Ben non, il va rien prouver à personne. Hein. Enfin, d'abord, il était. Oh bah écoute, c'est la chance du débutant, hein, on connaît tous. Oh, tu regardes. Tipper qui ne tue pas parce que Biscuit marche. C'est la chance du. Oh, mais lui met du sale cet enculé. Oh, what the fuck, quoi, ce genre de tipper. Bonjour, bonjour, je suis Lucina en mieux. Je suis Lucina. En vrai, mais. Ça, en vrai, mec, c'est tellement. Je trouve que Mars, ça a tellement plus de. Mais bien sûr. Ça a plus de flow que Lucina en fait. Bien sûr, mec. En fait, c'est stylé de voir un Mars. Mais oui. Lucina c'est stupide en fait. Oui voilà, Lucina c'est juste ça bourre les nerfs, les fers et voilà, t'as gagné. Mais là pour le coup. Moi tu vois, tu peux aussi faire des sideways, tu vois, ça marche aussi. C'est vrai. Pour battre un mec. Ouais pour le coup. Hop là putain, le rundown grab. En tout cas c'est cool parce que là Rima il se défend bien quand même, mine de rien. Ouais, les combos, c'est pas rendez-vous à l'heure. Et oui! Parce que c'est une très bonne. Il y a vraiment du cours. Oh là là, on va quand même mettre 4%. Ouais mais au moins ça en peinture, ça fait des dégâts et tout. Ouais c'est vrai qu'il est en peinture, ça fait. Il a mettre 2000 dessus, c'est génial aussi. Bam bam boum boum. Hop encore. Ok. Pour l'instant ça va. Et là pour le coup, oh attention, il va lâcher un. Quoi? Ah mais bah oui, mais alors, en fait, c'est limito. Ouais mais non mais le rouleau. Ouais mais le coup le rouleau il est passé dans le coup de l'épée en fait. Et apparemment c'est pas. Enfin je sais pas, c'est passé un truc chelou genre. Donc la skino sont trop normal, c'est chelou. C'est Flynn ? Ouais. Ah lol, il peut pas y avoir enfin, de Flynn du coup. Les rentelles, oh zut alors. Du coup il peut pas y avoir de Flynn. Oh là là ! Est-ce que ça veut dire que quand Flynn va arriver. Est-ce que ça veut dire que quand Flynn va aller à Paris, on va l'appeler Nesquino ou quoi ? Non, c'est pas super. Oh là là, il y a ça. Mec, il joue. Pas très... J'ai pas beaucoup rigolé. Et par contre, ouais, il a vraiment un effet de stratosphérique, c'est pas du. Mais Nesquino, il est vraiment trop fort. Ouais, toi, hein. Okay. Il qui va pas tuer. Alors que Mars c'est quand même un peu léger. Alors par contre il va falloir trouver. Par contre là il est à 154%, là Arima va falloir trouver un kill, mec. Va falloir trouver quelque chose. Va falloir trouver un smash. Mais de Neskino de son côté qui trouve des sidebills. Qui va peut-être retrouver encore un tipper. Non c'est bon. Le Trump qui a raté. Ouais non, ça va rattraper. Ouais, il est. Oh non. Oh là 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 là. Faut garder. C'est dans ces moments-là, genre le mental il est vraiment dur à garder là. Mais Le mec il est non, il va y arriver. Moi j'ai confiance en lui. Il tilte beaucoup trop ce gars. Mais il tilte, c'est vrai qu'en fait le problème c'est que Arima genre dans sa tête, genre c'est Arima de jouer le match. En fait Arima dans sa tête genre c'est quand il est en train de gagner genre il va te défoncer parce que genre il est dans un bon mood. Par contre genre il se SD une fois mais genre toute sa vie est détruite. Genre. Ouais, il a pas un mental, c'est vrai qu'il a du mal à reprendre après un échec. Ouais, après on verra bien, mais moi je lui fais confiance. Moi je lui fais confiance à ce joueur. Je vois qu'il y avait une game, je jouais pas son main. Quoi. Bah, son main c'est Yggdrasil en fait. Ah, Maskit, putain, je crois que tu parlais d'Arima. Ah, tu voudrais qu'il joue Zelda? Ouais. Non, je voudrais pas qu'il joue ça, je voudrais qu'il mette des pièces, mais c'est pas des pièces. Oh putain, oh là, je suis con moi. Ouais, tu es un peu ravagé mon chapeau. Un petit peu, ouais. On est reparti du coup pour l'autre game. Parce qu'il nous, sur son lance qui vient de... Ça, c'est un gros avantage pour toi, tu vois. Les landing of perfect, c'est stylé en fait. Dans quelle situation tu choisis Smashville en tant que Inkling? Dans la situation où tu es attaqué, oh là là, parce que tu connais pas les bonnes maps de Mars, parce que c'est la meilleure map de Mars. Après, peut-être qu'il y allait sur cette map, je sais pas. Pour le coup, on va voir. C'est vrai que vraiment les bonnes maps. Oh là là, mais putain, il place tellement de tippers, c'est un truc de ouf. Les bonnes maps d'Inkling, c'est plutôt.
c'est plutôt Battlefield ou encore des trucs comme Yoshi Story, etc. Parce que t'as beaucoup de combos avec les plateformes. Mais si je me souviens bien, c'était sur Battlefield, la game d'avant, je pense qu'il est pas super à l'aise sur les plateformes. Parce que Neskino lui a fait des très bonnes animations. Putain, Neskino depuis tout à l'heure il cherche les petits plans. Hein. Oh là là, bien vu. Ça, ça tuera pas. Hein. Ah si. Ah non. Putain, vache, c'est si fort. Enfin, j'adore la façon dont il arrive à stoller quand même. À stall. Non, mais vraiment, j'aime bien. Il y en a pas beaucoup qui font ça, tu vois. Genre. C'est la maison du content. Allo! La pression que ça met une fois que t'es vraiment dans le. Ouais, mais putain, il garde vraiment bien le ledge. Hein. Attends, pour le coup, il arrive vraiment bien. Il arrive. Oh! Ok. Ouais, c'est bon, il va remonter tranquillement. Ok. Là, pour le coup, là, Rima, par contre, là, faut retrouver le contrôle du stage. Hein. Ça commence à devenir vraiment compliqué. Ok. Après, je peux l'inscrire avec les mêmes joueurs. Et là, ok, le petit rouleau là. Putain, le rouleau, oh là là, il a vraiment du mal à trouver. Là, Rima dans sa tête, il est anéanti. Il a vraiment, du mal. Là, il a vraiment du mal. Là, Rima, il est anéanti dans sa tête. Ok, le fer là qui va peut-être. Oh, bien vu ça. Ok. Le truc en fait qu'il faut pas qu'il fasse, c'est vraiment bourrer les options agressives, défensives ou agressives. C'est-à-dire genre le truc qu'il fait en général à Rima quand il veut trop tuer son adversaire, c'est vraiment genre faire. Ouais, voilà, tu vois, il fait des rouleaux comme ça. Ah bon sang. Putain, sans déconner, ça rend dommage ça. Ok. Faut faire attention. Non, c'est bon. Ok. Agresser, on va faire le petit side B. Là, Neskino il a besoin de vraiment pas grand chose hein, pour aller chercher. Là, surtout que Neskino il arrive à trouver les tipeurs depuis tout à l'heure. Oh, putain, là, vraiment, c'est. Oh là là. C'est galère un peu. Les... Ah, même. Là, il galère à choper, mais tu vois, la dash attaque et c'est bon. Neskino 2-0 pour lui. Et du coup, qui va avancer dans le winner round 4 et qui va envoyer Arima en loser run.